You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know in that hotline bling, that could only mean one thing, no. And I know in that hotline bling, that could only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. Ever since I left the city, you. Maman? Oui, ma chérie? Ça fait longtemps que j'ai mal à la tête et je suis fatiguée. Fais voir. C'est vrai que t'es un peu chaude. Je vais aller chercher des médicaments parce que je te les donne pendant une semaine, on verra après. D'accord? Tiens, tes vitamines et pour ta fièvre. Ok. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Alors c'est ma fille, elle souffre de fièvre, elle a la mal à la gorge, elle tousse beaucoup, mais du coup je lui ai donné des vitamines. Donc je suis venue vous voir et je commence à m'inquiéter parce que ça commence à devenir quand même assez imposant, ça fait depuis plus de 2 semaines qu'elle a ça. Donc voilà. Donc c'est sûrement une grippe, mais juste pour vérifier, je vais vous prescrire une prise de sang. Et puis on verra la prochaine fois les résultats. Khadija, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Tu peux t'asseoir là, s'il te plaît. Donc, tourne la tête, je vais te faire une prise de sang. Bon. Je te demande de lever le bras. Merci. Voilà, c'est fini. Tiens, appuie s'il te plaît. Voilà, tu restes comme ça jusqu'à la fin de la journée et puis ça ira. Maman ? Oui ? J'ai les résultats. Bonjour. 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 Donc, qui est la patiente? Moi. Très bien. Donc, rappelle-moi ton prénom. Jeanne. Avant de commencer les explications, je voudrais juste te prévenir que c'est une épreuve difficile. Je pense que tu es au courant. Oui. Le SIDA, qui signifie syndrome d'immunodéficience acquise, est dû au virus du VIH, virus de l'immunodéficience humaine. Quand le virus est entré dans ton corps, il détruit certaines cellules qui sont les lymphocytes T4. Et ces lymphocytes T4 coordonnent l'immunité, c'est-à-dire les défenses de l'organisme contre les microbes. Lorsque le nombre des cellules diminue, l'immunité devient moins efficace.
Vu que les lymphocytes T4 sont détruites, les maladies graves peuvent s'y développer. Ce sont des maladies opportunistes. Quand une personne a une ou plusieurs maladies de ce type, on dit qu'elle a le sida. Et toi, tu es séropositif car tu es atteinte du sida. Mais malheureusement, les médecins n'ont pas encore trouvé de médicaments qui nous guériraient du VIH et du sida. Il y a des traitements pour freiner l'évolution de la maladie et pour améliorer les conditions de vie des malades. Tes médicaments seront pris en charge par la sécurité sociale et médicale et il faut les prendre régulièrement. Pour les personnes de ton cas, donc séropositives, tu dois prendre une trithérapie constituée de 3 médicaments. Ce sont des médicaments antirétroviraux, ce qui veut dire que tu auras une plus longue espérance de vie et ça rendra ton état meilleur. Ton système immunitaire sera stable également et quand tu auras un rapport sexuel avec une personne, ton partenaire aura de faibles chances d'attraper le VIH, mais le préservatif est quand même obligatoire. Donc, est-ce que vous avez des questions particulières? Non. D'accord. Donc, j'aimerais bien parler à votre fille en privé si ça ne vous dérange pas. Oui, pas de problème. Merci. Au revoir. Au revoir. Est-ce que tu t'es blessée un jour, du coup, ça aurait pu s'infecter? Je sais pas, non. Donc, est-ce que tu as un petit copain et que tu aurais pu avoir un rapport sexuel non ou mal protégé? Je suis tenue par le secret médical, je ne dirais rien. Donc on se revoit dans 6 mois pour voir l'évolution, donc je te souhaite bonne chance. D'accord. Et surtout, n'oublie pas préservatif. Amy est toujours active. Et même trop. On ne peut pas en guérir, mais on peut se soigner. Alors sortez en couvert et protégez-vous.